Alors... Bonjour tout le monde, salut Neriane. Comme vous avez pu le remarquer par rapport aux vidéos précédentes, il y a eu des petits changements de paramètres dans ma webcam. J'ai gagné un peu en fluidité mais perdu en luminosité, alors par la suite il y aura probablement d'autres modifications dans ce style-là. Je vais essayer de tenir compte de vos commentaires, de ce que je remarque, pour améliorer la qualité de mes vidéos, mais j'ai aussi besoin de vos commentaires, alors surtout, n'hésitez pas à me les laisser à la suite de la description de cette vidéo. Allez, on poursuit le let's play sur Mario, et on en est au troisième épisode. A tout de suite. Alors, la dernière fois, nous avions vaincu Bowser. Nous avons vaincu Bowser. Nous avons donc débloqué de nouveaux mondes. Ces nouveaux mondes se situent au sous-sol du château. Les Bellibou ne sont pas encore disponibles. Allez, voyons voir ce que nous cache les sous-sols de ce château. Alors, là ce sera l'affrontement contre Bowser justement. Alors ici, je sais que j'aime beaucoup le monde désertique. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme petit monde? Nous avons le monde de lave et nous avons un autre monde souterrain, si je ne dis pas de bêtises. Ah, oui, c'est vrai. Tac. Si l'on va par ici, nous avons un petit secret. Enfin, secret. C'est plutôt quelque chose de nécessaire, on va dire. Allez, mon coco. Tac. Il est dit que les piliers doivent être enfoncés. Ça, on connaît. Ah! Oh, le petit bug. Pourquoi pas. Allez. Voilà. 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 Petit monde secret, bienvenue dans le niveau des casquettes d'invisibilité. Si vous marchez sur l'interrupteur bleu, tous les blocs deviennent solides, blablabla. Si vous portez une casquette d'invisibilité, vous pourrez traverser vos ennemis et plein d'autres choses. Alors, voyons voir. Des petites pièces. Alors, oui, alors ne vous étonnez pas, je fais la crêpe, mais je tiens à récupérer. Ah. Toutes ces petites choses. Allez Mario, t'es très doué pour faire la crêpe. Voilà. Ah non 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 non. Ah dommage. C'est dommage, j'aurais bien aimé garder la vie. Allez. Intéressant là. Voilà, allez. Voilà. Allez Mario. Oui, ça passe.
Non ! Ah ! Bla 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 bla. Impeccable. Ils sont quand même vicieux, nous mettre ces pièges de feu un peu partout. Les casquettes d'invisibilité. Alors, on récupère ça. Et on a à nouveau... On a notre petite étoile. Et me voilà invisible, tel un fantôme. Alors, attention, parce que comme vous pouvez le voir... Je peux traverser facilement ces petites parois. Et il y en a une sur le côté. Et oui. Histoire de bien vous faire traverser la paroi et tomber dans le trou. Allez, coco. Ouais. Donc. Voyons voir. Eh bien, on va peut-être pouvoir accéder à une autre casquette. On va tester ça tout de suite. Alors, malheureusement, comme je l'ai tenté, nous n'avons pas accès à la prochaine casquette. Nous allons donc passer au prochain monde. Et je vais vous faire découvrir le monde de... monde désertique, voilà. Un petit monde sympathique que j'aime beaucoup, avec une pyramide. Voilà. Et pas de tableau pour ce monde-là, hein. Comme vous pouvez le voir, on passe directement à travers le mur. Let's go! Alors... Non. Voilà, on va éviter de se faire engloutir par les sables mouvants. Ça pourrait servir. Allez, mon coco. Voilà, viens, viens. Voilà. Voilà. Et voilà. Ici, rien de bien compliqué. Ah, je marche sur les murs. Alors, allez, viens là, petit vautour. Allez, allez. Voilà. Et... Youhouhou. Et nous voilà donc avec notre première étoile de notre partie. Enfin, de cette partie du Let's Play. Nous avons donc 10 étoiles.
je ne me souviens plus combien il me faut d'étoiles pour la suite. Eh bien, on va tout de suite passer à une deuxième étoile de ce niveau. Au sommet de la pyramide. Ah, la fameuse pyramide. Allez, allez. Ah oui, il y a les petits blocs rouges là-haut, mais on n'a pas encore la casquette qui correspond. Allez, allez, allez. Ouais. Voilà. Youhou. Alors, lui, je m'en méfie là du retour. Donc, il faut faire tout le tour. Ah oui, avec les petites tornades dans le désert. Eh oui, non, non. Ah, mais si! Voilà. Et non, ça va pas suffire. Non, non, non. Non, 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 non. Ah, ah. Allez. Ah, ça serait quand même bien pratique si je pouvais avoir... Voilà. Ouh. Allez, on recommence. Allez, allez. Non, tu ne m'as pas eu, toi. Alors... Je ne sais pas si vous avez pu le voir. On va peut-être la revoir, là, justement. Yep. Non, non, non. Voilà. Vous voyez, au sommet de la pyramide, il y a une belle petite étoile. Alors... Tac, 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 tac. Voilà. On va faire les choses prudemment. Allez. Bon, tant pis pour la vie. On va y aller comme ça. Mais Mario, bordel! Eh ben, heureusement que j'avais des vies. Nous voilà donc à nouveau dans le désert. Alors... est-ce qu'il y a une petite tornade? Non, pas ici. Allez, allez, allez. Oui, ça passe. Non, on va passer par là. Allez, allez, allez. Non, non, non. Ouh, ouh, ouh. Para, para, para. Non, tu ne m'as pas eu. Alors... Et non, la tornade ne m'a pas eu. Oui, non, je ne vais pas aller chercher ce champignon là où il est tombé. Ce serait un peu dangereux. La caméra est tellement merdique. Non, 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 non. Allez Mario, vas-y, chope-la, chope-la. Oui. C'est pas du tout comme ça que c'est prévu, je pense. Mais pour une fois, c'est plutôt cool d'avoir le feu aux fesses. Allez, donc deuxième étoile de notre petit let's play.
Allez, hop. On va se faire le petit monde des laves. Qui est juste à côté. Cramer le gros moche. Voyons voir. Attention, attention. Si quelqu'un vous pousse, n'ayez pas peur. Poussez-le vous aussi. Le perdant aura plutôt chaud aux fesses. Ce qui vous donnera quelque chose de similaire à ce que vous venez de voir. Hein. Sauf que vous allez... En fait, si vous tombez dans la lave, vous allez rebondir littéralement. Bon, allez, on va se le faire. Voilà. Par contre, si vous vous loupez, vous allez juste mourir cramé, carbonisé. Allez, oust, petit moche. Voilà, et vous finirez comme le gros moche. Petit moche, pardon. Le gros moche, je crois qu'il est sur la plateforme que l'on voit tout au fond, juste derrière le volcan, si je dis pas de bêtises. Si je me souviens bien, hein, parce que je connais pas forcément le jeu par cœur, je n'y ai pas joué... Oh si, j'y ai joué quand même. Un petit moment, j'avais même fini le jeu d'ailleurs. Tac, tac, tac. Allez, 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 petit Mario, avance. Non, pas trop vite, parce que sinon, tu vas te cramer. Voilà, ça c'est fait. Allez, allez. Voilà le gros moche. Tu vas mourir. Vas-y, vas-y. Voilà. Ouais. Ah oui, quand même. Ça m'en fait peur. Youhou! Allez, voilà pour cette étoile-ci. Et tout de suite, une deuxième étoile du monde. Ça nous évitera quelques allers-retours. Pousser les petits moches. Ah oui! Oh mais ils sont à pétaouchnock ceux-là! Ou pas en fait, ils sont... Si je dis pas de bêtises... Ah on la voit! Si vous regardez là un peu sur la droite... tac tac tac... Là, derrière la grille, on voit l'étoile tourner. Qu'est-ce que tu me racontes de beau, toi? Allez! Si vous sautez sur une carapace brillante, vous pourrez aller n'importe où et détruire vos ennemis. Oui, mais je ne vais pas tenter ça sur le... sur ce monde-là, c'était un peu trop dangereux. Je l'ai tenté... dans le monde aquatique... Allez, 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 allez. Ouais. Ah, remarque, c'est peut-être ça. Venez. Voilà. Ah, mais... est-ce que c'est ce que je pense? Ah, mais non, c'est pas celle-là. Eh bah, tant pis. On va aller faire un tour sur cette étoile, même si ça correspond pas à pousser les petits moches. C'est une autre, mais bon. On est parti pour celle-là. Attention au petit geyser. Alors les bulles de lave ont un drôle d'aspect. J'ai l'impression que l'émulation leur donne cette espèce de couleur vert... jaune-vert, c'est assez bizarre. What? Ouais. Quelque chose me dit que je devais pas le faire comme ça, mais bon. Youhou! Et deuxième étoile de ce niveau. Alors, on en est à 20 minutes.
du jeu. Tac, tac, tac. Et allons voir le troisième monde. Youhou! Alors, celui-là, c'est le monde souterrain, caverne brumeuse, donc. Et le gros bibi de la caverne, c'est le joli gros dino. Un petit mélange du Loch Ness, si je dis pas de bêtises. Alors, quelques petites pièces. Les deux routes sont très dangereuses. Ceux qui ne sont pas encore capables de faire le saut en longueur doivent aller à droite. Sauf que moi je dois aller à gauche pour aller voir le bibi qui est dans le lac souterrain. Et voyons. Allez, hop, 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 mon petit Mario. Le coup des pierres, ça va, c'est gentillet. Les pierres ne prennent pas non plus toute la place du passage. Voilà. Nous voici dans un mystérieux ascenseur. Et où va-t-il? Au lac. Et youhou. Ouais, c'est quand même pas aussi rapide que dans les courses de glissade. C'est peut-être mieux pour moi. Alors, nous avons donc la belle étoile et... Ah, te voilà. Petit bibi. Enfin, petit. C'est curieux. Je ne sais pas si je dois le comparer à Denver ou à Elliot en matière de bestioles. Alors, donc je dois monter... Oula, 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 où vas-tu? Ah, oui, j'allais oublier. Ne m'en veux pas. Mais c'est sur ta tête que je dois aller. Et ne me demandez pas pourquoi Mario regarde le ciel, hein? Je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Des petites étoiles. Pièces? Ouais. Youhou! Alors, voyons voir. Paladadam. Je disais petit bibi, mais en fait c'est gros bibi, d'accord. Alors, allez. On va faire une étoile de plus. Et cette fois pour chariot, pour pièce rouge. Ok. Si je dis pas de bêtises, cette fois on va à droite. Pour aller dans le labyrinthe toxique. Enfin non. Est-ce que c'est le labyrinthe toxique ce passage-là? Oui, peut-être. Enfin bref, on est arrivé. Allez, Mario. Non, mais. Reviens, Mario. Allez. Et comme vous pouvez le voir, Mario se prend pour un pompier. Alors, tac, 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 tac. Où dois-je aller? On va grimper par là, tiens. Non. Voilà. Et je crois que je dois aller par là. Voilà. Allez, allez. Non, non, non. Oh. Allez, allez, allez. Oula, 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 oula. Allez, allez, Mario. Voilà. Voilà. Alors, on va revenir au début. Décidément. Mario, bordel.
Bon. De toute façon, c'est pas bien gênant. Je voulais retourner par ici. Voilà. Voilà. On remonte. Et... voilà. Qui aurait pu être sympa, ça aurait été une sorte de petit grand 8 à la, de la même manière, mais bon, ça aurait été un peu plus difficile, je pense. Il aurait fallu être très réactif. Là, on est en mode je roule en pleine sur une route de campagne tranquillement sur un tracteur. Allez, allez, petit pépère, petit Mario. Allez, allez. Oh, décidément. Bon, allez, on remonte. Allez. Ah. Alors, bon, on va faire autrement. Allez, coucou. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Petit pépère. Voilà. Allez. Schnock. Alors, est-ce que je peux tricher et y accéder par là? Alors... ah, pas sûr. Ah, si, peut-être. Là, à partir de là. Non! Ah, flûte! Flûte, zut et résut. Et donc, je vais devoir utiliser la plateforme. Allez. Allez, allez.
Voilà. Voilà. On y arrive. Voilà. Cette fois, c'est bon. Allez. Voilà, on y arrive. Donc, nous avons maintenant 15 étoiles. Et voilà, nous avons maintenant 15 étoiles. Nous allons donc nous arrêter là pour cette troisième session. Si vous avez aimé ou moins aimé, s'il y a des choses que vous voulez que je change ou d'autres que je garde au contraire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé, likez, voire même abonnez-vous. Soyons fous. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.